Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming. Aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous pouvez le voir, tous mes jeux de la GameCube. On va commencer avec Mario, partie 4. Alors à celui-là, j'y ai beaucoup joué. Je vous le reconseille, il est excellent. J'y ai passé des heures. C'est un jeu d'enfance. Voilà. Hop. Au suivant. Mario Power Tennis. Excellent jeu aussi. Ah, de toute façon, les Mario généralement sont tous excellents. Que ce soit des jeux plateforme, course de voiture, tennis, tous les Mario j'adore. Alors celui-là, ah, ça c'est mon jeu Pokémon préféré. Pokémon les souffles des ténèbres, c'est mon préféré même jusqu'à aujourd'hui. Alors que aujourd'hui il y a des jeux sur Pokémon sur la Switch qui est sorti. Ce jeu-là, il est ancien, mais ça reste mon préféré. Voici l'arrière. Et en plus, j'aime bien le look du personnage. Je le trouve canon. Il est stylé. Il est beau gosse. Voilà. Alors, au suivant. Mario Party 5. C'est sur le 4 que j'ai passé le plus de temps, celui-là. Un peu moins. Mais il est bien aussi. Plus de 70 mini-jeux, nouveaux mini-jeux. Il est super aussi. Alors j'ai dû l'avoir un peu plus tard dans ma collection parce que l'autre, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Je pense que je l'ai eu dès que j'ai eu la GameCube en fait. Voilà. Alors Mario Double Dash, donc course de voiture. Le grand carton de Mario, c'est les courses de voiture. Bon. Et Pokémon Colosseum. Alors celui-là, il est sorti juste avant le Pokémon le souffle des ténèbres. Alors il est bien aussi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais l'autre reste mon préféré. Et le personnage, bon, oh, il est un peu moins beau gosse que sur l'autre, comme je trouve. Je préfère l'autre. Il est bien aussi. Et Rayman 3. Alors, Rayman, c'est génial, ça aussi, hein, comme jeu. J'adore. Et Harry Potter, c'est qu'on. Prisonnier d'Azkaban. Et bien sûr, j'ai tous les Harry Potter sur la PS1. J'ai l'école des sorciers et la chambre des secrets. Par contre, j'ai pas la coupe de feu. Et j'ai Spyro. La GameCube. Pyro le Hero's Tale. J'ai. Alors on va aller dans l'ordre parce que j'ai le 3. Et là, ça doit être le premier. Enfin, il y a deux jeux inclus dans celui-là. Pac-Man. J'adore Pac-Man. Je l'avais aussi sur la PS1. Et c'était sur le jeu que j'avais sur la PS1. J'y ai passé des heures et des heures. En fait, la PS1, c'est là où j'y ai passé plus de temps durant mon enfance. Après la PS1, je dirais c'est la GameCube où j'ai passé plus de temps. Donc voici le 3. Donc lui, je l'ai commandé il y a pas très longtemps. J'ai acheté sur internet, sur Amazon, il me semble. Voilà. Donc on peut y jouer, c'est un jeu solo quoi. Moi j'aime bien tous ces petits jeux là. Je sais pas si tout le monde connaît ceci. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont les anciennes cartouches Advance. Vous pouvez les mettre dans le socle, donc ça faut se l'acheter parce que du coup c'est à part. C'est un objet à part à acheter. Et
Comme ça, vous pouvez jouer à vos cartouches de la Game Boy Advance sur votre console, sur votre télé. Et donc moi, je l'ai sur la mienne, voilà. Là, dedans, j'ai Pokémon Emerald. J'adore, j'y ai aussi beaucoup passé de temps. Je le recommande, je vous fais voir l'arrière. Voilà. Bien sûr, pour ça, faut avoir la GameCube et puis le socle. Voilà. Je pense que vous pouvez le trouver encore sur Internet, sur Amazon. Moi, je suis très Amazon, c'est là où je vais le plus. Et j'ai même Amazon Prime, c'est pour dire, je suis bon client. Pokémon Channel sur GameCube, donc c'est pareil, j'y ai passé beaucoup d'heures dessus. Mais j'y ai rejoué récemment. Maintenant que j'ai grandi, j'aime un petit peu moins quand même, parce que c'est surtout un jeu pour les enfants. Par contre, j'aime bien les dessins animés des frères Pichu. Mais le reste, sinon, ça m'ennuie un peu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous avez des choses à dire. N'oubliez pas les pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Salut tout le monde !